Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Soleil. Dans l'épisode précédent, nous avons battu la 7ème et dernière épreuve de ce jeu. Nous avons traversé un portail ultra-dimensionnel pour arriver dans l'ultra-dimension, merci de suivre évidemment. Et nous avons affronté Elzamina qui était vénère comme pas possible parce que sa fille lui avait piqué ses chaussures bien sûr. Et typical bien sûr... dispute mère-fille, hashtag pas du tout hein. Voilà, et donc nous nous sommes retrouvés avec une transformation donc, de Cosmog en Solgaleo, enfin de Cosmovoom en Solgaleo. Et voilà, donc là nous avons fini l'épisode et nous devons le capturer. Alors, question existentielle, est-ce que j'ai des choses qui peuvent me permettre de le capturer? Je crois que Raichu n'a plus Frontrimousse, donc je ne peux pas le paralyser. Je peux rien faire en fait. J'ai pas de manière d'infliger des statuts autres que Grotan Morve, ce qui est une très mauvaise idée. On va envoyer Yama, mais écoutez, on va y aller au talent. Je suis de moins en moins fan de la raclette perso, c'est là que j'arrive plus à manger. Moi la raclette c'est top tier, hein. C'est full top tier toute ma vie je crois. Bon yolo, et tous merveilleux viewers, à la prochaine. Pas de soucis Raptor, des bisous à toi, à la prochaine mec. Et c'est parti pour le combat, j'ai quelques drops sur le live, vous inquiétez pas. Ça va revenir, n'hésitez pas à répondre à la question que je trouve au-dessus de ma tête YouTube. Quel est votre produit dérivé Pokémon préféré? Voilà. Qu'est-ce que vous préférez dans les produits dérivés qui existent Pokémon, bien sûr. On va... j'ai aucun moyen d'infliger des statues. Hein. Ouais, non. Ça, il va être chiant à capturer, en fait, Solgaleo. En vrai. Ouais, je fais 0 dégâts. En vrai, sabotage ne tuera jamais. Ah, force cosmique. Ah, il va commencer à être lourd. Hein. Sabotage va faire 0 dégâts, en fait. Il tient bien, hein. Il tient vraiment bien les coups. Hein. Comment je vais faire pour... parce que là il a boosté ses deux défenses. J'ai plus aucun Pokémon qui peut afficher des statuts, on est d'accord. Hein. Non. 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 Même en effet secondaire je peux pas en fait. Comment je vais faire? Comment je vais m'arranger pour que ça passe? Ballombre devrait pas tuer. On va tenter un ballombre. Sauf que je le mette bas en PV. Et après quelques balles ça devrait passer. Il a pas un taux de capture très bas. Parce qu'évidemment il le faut pour l'aventure. Il faut que vous l'ayez pour l'aventure. Donc en théorie ça devrait pas poser trop de problèmes. Je voudrais juste l'affaiblir un minimum quand même. Ouais non, ballon tuera clairement pas du coup. Il a plus 2 dans les deux défenses. Il y a aucune raison que ballon tue, même sur un crit je pense que ça tue pas de toute façon. Ouais non, pff, mon dieu. Rien du tout quoi. On va continuer comme ça. C'est la mèche. Pour le bonheur, je les ai mises au bac. La vache tous les soirs, je précise, j'ai eu 16 de moyenne. Nice! Ça, c'est les chaussettes, c'est sûr. C'est surtout ton investissement, Charlie. Voilà, 0 dégâts. Salut, salut, salut à quoi? J'espère que tu vas bien. Merci de rejoindre le live. Merci d'être présent. Choc météor. Petite animation. Ouais. Pas inscrit. C'était dégueulasse. Wouah! Les dégâts! Ah, moi du coup je fais 0. On va retenter un coup au cas où il ferait force cosmique, on sait jamais. Machouille, ça tue pas Machouille. Ça tue pas. Ah je l'avais dit hein, moi j'avais dit ça tue pas hein. Salut le Pilomi, j'espère que tu vas bien pote ça. Merci de rejoindre le live. On va quand même tenter un dernier ballon hein, qui va crit évidemment parce qu'on est chanceux. Bon ça va, il machouille, ça va. Il joue bien. Il joue bien. Putain j'ai tellement... Ouais, YouTube sait pas mais j'ai mangé des nougats japonais encore à la pause là. Plein les dents, horrible, c'est infâme. Ariama, bluff. Ça, on gagne un petit peu de dégâts, puis on va envoyer des bols. Hein. Je pense que c'est le moment, c'est malin. Bluff. Même sabotage, en vrai, ça tue pas. Sauf sur crit. Hein. Le petit crit. On va envoyer. Pas embête, mais bon, une hyperbole. Hein. Après, en vrai. Est-ce que j'ai pas d'autres bols? J'aurai une sombre bol. Bon, ça tue pas avec le poké, mais bon. Je trouve ça plus sympa qu'une hyperbole quand même. Je viens, je bois. Je vois que t'es devant le grand Solgaleo à 50% de chance de rentrer dans une Pokéball. Ah, 50% du coup? Ouais, c'est trivial. Je suis en train de chasser du port d'espièce Shiny depuis 15h, mais il y a un truc relou, c'est que la projection. J'ai pris ton Pokémon avec fauchage. Ah ouais, ah oui, horrible. Il y a un taux de chance de 3 millions, tu lances une Pokéball full life et capturé. Ah ouais? Moi je pensais que c'était quand même pas abusé à ce point. Enfin, je savais que c'était abusé parce qu'il le faut pour l'aventure. Et je pensais pas que c'était à ce point en fait. Par contre, j'aurais dû prendre 12 kills là. Déjà, normalement. Bon. Voilà. Halo solaire, on prend un screen là aussi.
full screen. Ce Galio qui utilise ses pouvoirs surpuissants contre un enfant, il y a sûrement des lois contre ça. Et il a le droit. Je vais pas le renommer parce que je vais peut-être m'en servir pour d'autres versions. Donc lui seulement, on va pas le renommer. On va regarder quand même ses stats. Est-ce qu'on inclurait pas l'équipe Ouais, non, je pense pas. Il est docile. Ça pue. Pas grave. On s'en fout. On s'en fout, on n'y va pas. Ouais, go. Voilà. Donc Xerneas et Yveltal. Ok. Du coup, ça va. C'est aussi abusé niveau tôt. Ouais. On s'en souvient. Genre, première Lux Ball, bim. Direct. Moment émotion. Sol Galio. Enfin. Je vais dire doudou. À partir d'aujourd'hui. Holo est ta nouvelle dresseuse. Sois gentil avec elle. Sois gentil avec elle, d'accord? Oh. Au final, je n'aurais pas pu faire grand chose, mais je ne regrette pas de t'avoir emmené. Tu vas pouvoir explorer le vaste monde en compagnie de Holo. Te battre de toutes tes forces contre des Pokémon redoutables. Et rencontrer des tas de dresseurs plus passionnés les uns que les autres. J'ai confiance en Holo. Je suis sûr que grâce à elle, tu apprendras plein de choses sur le monde. Holo, je compte sur toi pour élever et le chérir comme il se doit. Bonne chance à tous les deux. Moi, ma place est auprès de ma mère. Je me fais du souci pour son état de santé. Je ne peux pas abandonner. On a failli voir sous sa jupe, hein. Attention. Ouh. Oh, c'était des types zéro. Courage, courage, Décassane. Mon petit doudou. Je sais que tu adorais sortir de mon sac à l'improviste, mais... C'est pas la même chose avec ta Pokéball, ok? Mais aussi, n'oublie pas que tu es devenu un Pokémon puissant! Essaie de contrôler ta force, sinon tu risques de blesser quelqu'un! Et quoi d'autre? Ah oui! N'ouvre pas d'ultra brèche sans autorisation, d'accord? Ça serait très embêtant! Très embêtant! Oh, doudou. Bon, je crois que tout est dit. J'y vais. Alola! Kawaii! Oh, kawaii! Pardon. C'est bon? Ouais, j'ai un peu le nez qui... Hein. Désolé. Désolé. On a quasiment fini le jeu, en fait. Oh, je suis en train de baliser là. Attendez, en fait, le jeu on a fini dans genre 2 épisodes 3 Peut-être 4 max. Oh mon dieu. Enfin, toujours assez crevant de grimper jusqu'ici. Mais je regrette pas d'avoir un coup de forme. Je suis plein les yeux, bravo. Tout bien, parce que j'aime pas gaspiller ma salive. T'as bouclé les épreuves. Autour des îles, les grandes épreuves. Il reste encore une dernière. Normalement, c'est juste une cérémonie pour te féliciter d'avoir gagné contre les doyens. Mais cette année, avec le bazar de la ligue, là c'est un peu différent. Je me fatigue. Hein. Donc voilà, ce serait bien que tu te bouges comme on l'a Nakila. Ah lui là lui là. Bien, du passage bloqué pour cause de travaux, via Htoko. C'est bon, ils l'ont ouvert. Pas trop tôt, j'ai envie de te dire. Par là qu'il faut passer pour se rendre à la ligue Pokémon. Si tu veux, je peux t'accompagner. Oui. Parce que... Dan, il a un style qui me plaît trop. Ouais, Dan, il est stylé. Hein. Dan, il est stylé. La 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 la. Holo, t'es ma waifu maintenant. Mais calmez-vous. Je suis soignant. On va laisser Yamalid. Quoique. Ah, je sais plus. Ah, je sais plus. Ton Force mec, le Snoop Doggy Dog. On va faire ce combat les amis, je ne sais plus qui est le lead par contre. Je ne sais plus qui est le lead en face. Parfois tant pis. Parfois tant pis. On va y aller. On va perdre trop de temps. Je t'attendais. Oh, ma mère, ma soeur et moi te devons de faire jouer. Tu ne m'entendras pas souvent dire ça, j'arrive plus à parler, mais merci du fond du cœur, merci. Je suis pas doué pour des trucs sentimentaux.
Donc que dirais-tu d'un combat? Tatane quoi. C'est ma façon à moi de te remercier. Tombe bien, le vieux m'a donné un bracelet Z, tu vas goûter à toutes les ordures de ma force. Direct. Sans faire en lead. Je me souviens plus les gars. La dernière fois que je me suis battu contre... Enfin la dernière fois que j'ai fait ce combat là c'était genre le 20 novembre. Bon, pour dire. Allez yo, c'est battre. Non, c'est enfer, bien vu les gars. Voilà, coiffure banane. Du coup, on va éviter de bluff. Parce qu'il a, je pense qu'il a attention son c'est enfer. Et j'ai pas envie de me prendre un aéropiqué ou un rapace dans les miches. On va switcher du coup sur Raichu. Le Darkshin Sensei. Coiffure banane. Toujours autant galère pour trouver des combats en ligne. Ah! Ah! Un combat si, hein, c'était prévu. Ah, le Pilomi. Moi qui pensais que ce serait mieux. Ah, coup critique, ça. J'allais dire, il m'a quand même fait pas mal de dégâts pour une attaque résistée. La grêle qui tombe. Je sais pas si c'est outspeed, mais tonnerre tuera de toute façon. Ah! Ouais, non, ça va? Ça va pas. Ah, c'est horrible. Comment je vais faire? Non, j'ai pas voulu cliquer. Calmez-vous. Zygarde, Myria Flèche ou Lame de Rock direct. Puis la Pokémon que ça devait être boosté. Ça a pris par surprise une fois par l'aventure. Ouais non là, Raichu qui tombe, c'est un peu. Ça me fait un peu chier. On va tenter Lame de Rock, j'espère tenir une attaque. On prend très cher. Ouais, ne mise pas. Oui, je sais que Pikachu est une chips, les gars, je sais, ça va. Je sais. C'est juste que je pensais que je tiendrais quand même un peu mieux une attaque résistée, quoi. Un peu mieux. Parce que du coup, là, je suis un peu dans le pétrin. Donc, il attaque premier. Il outspeed mon Raichu. En vrai, après, mon tas de mort, c'est pareil, il a pas masse de défense. Hein. Résumé, 103 en défense, 92, ouais. Je tiens pas beaucoup mieux. Je peux pas non plus lui faire grand chose en fait, c'est un peu ça le souci. Oratoria, ah j'ai Psycho sur Oratoria mais je me fais défoncer par attaque poison. Pourquoi ce combat est compliqué en fait? J'ai pas suivi. En vrai, Ossature pourrait être pas mal. Ossature pourrait être pas mal mais oh. Je pense que je vais tenter d'envoyer Ossature. J'ai tellement pas quoi faire. Alors je vais utiliser un rappel, sur Raichu. Tant pis, perds Zygarde là-dessus. On s'en fait faible à sol, non? Pourquoi Lame de Rock? Pilomi, il me vole? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Que se passe-t-il? Parce que, en fait, le Myria Flèche, le premier tour, il a quand même le type vol et donc, du coup, ça aurait fait une attaque neutre. Donc, Lame de Rock me permettait de toucher directement super efficace. C'est pour ça que j'ai fait ce move. Envoyer sa tueur, du coup, on va tenter Lame de Rock. Et salut Kaizu, je sais pas si t'avais dit bonjour. Hein. On va tenter un Lame de Rock, j'espère pas miss parce que sinon là c'est rip. Hein. Si je mise ce Lame de Rock là, normalement c'est bon. Ouais, les dégâts étaient pas présents. On va Lame de Rock. Salut Skellington, j'espère que tu vas bien. Ah, c'est bon, on s'en sort. Ah, dans son fer qui nous aura bien fait chier. Hein. Myria Flèche neutre. En fait, Myria Flèche touche neutre parce que le type vol résiste le type sol. Quand tu peux toucher un Pokémon de type vol avec une attaque sol, le Pokémon vol résiste l'attaque sol. Donc, les dégâts de Myria Flèche sur nos stand-fer au premier tour sont neutres. Et ensuite, ils deviennent super efficaces. C'est pour ça que j'ai voulu Lame de Rock dès le premier tour en espérant pouvoir le tuer vu que c'est une chips niveau défensif, nos stand-fer. Et c'est justement en fait la réflexion que j'avais faite, j'avais trouvé ça très étrange que le type vol résiste le type sol pour le coup. Sylvalier sera de type plante, donc on va envoyer gros tas de morts ici. Bon, ça tue, pas toujours os ombre. Chut. Je suis à Kokashani, il y a 2 minutes, je me tape.
Je me tâte entre le choper ou le dégager, je suis en train de faire mes EV. Ah mais chope-le mec, chope-le. Donc effectivement il y a deux types plantes, on va pouvoir des tricanons. Parce que direct toxique ne tuera pas je pense. Les croix, ça va pas faire trop de dégâts. Ouais ça va. Lame de roc et roche donc x4 sur sol. Ah non mais poison ça ne. Ce poison c'est pas c'est pas faible à roche hein les gars. Et salut à toi Zekrom, hein, n'hésite pas à cliquer sur le bouton suivre si le live te plaît. Et non, le type poison n'est jamais faible au type roche. Lucario. Ah, je me souvenais plus qu'il y avait un Lucario celui-ci. Terrible. Lucario, Ariama. Oui, Ariama, hein, close combat. Bluff, close combat. Comment on voit où trouver tous les Pokémon dans Poképédia? Alors là. Heureusement, je ne peux pas te renseigner, ça doit pas être très compliqué. Trouver. Pardon, mais bah, pas de soucis, Zekrom, t'en fais pas. Transfert. Ah, il a attention aussi. Ah, c'est chiant. C'est chiant. Bah, Close Combat va le finir. Hein. Sauf si vous finissez avant qu'on va se faire. On va se faire crit et je meurs. Hein. Close Combat. On va se faire. Ouais, ok. C'est bon. Que les Pokémon de Gladio évoluent par bonheur sauf Zimoré. Ah j'ai jamais tilté ça tiens. Salut joueur du dimanche, salut à toi. Donne quoi comme surnom? Ah bah alors là pour les surnoms mec faut pas me demander à moi. Mais sur le chat ils vont peut-être t'aider. GG à toi en tout cas. N'hésite pas à poster sur Twitter, sur Facebook et ou sur Discord. Dimoré. Alors Dimoré ça aurait été bien de rester. Le souci c'est qu'il a des prios Dimoré. Du coup je vais partir sur Oratoria je pense. Bah on va faire ça. Hop. Et un petit pouvoir lunaire devrait leur mettre dans le droit chemin. Voilà. Petit pouvoir lunaire. Oh là là, vive griffe. Oh là 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 là. Meurs. Oh là là là, puissance. Incommensurable. N'est-ce pas? Niveau 53. Parfait. Fin, rien à voir par ici. 16 000 Pokédollars. Pas mal. Ah! Petit sourire. Mais c'est une puissante équipe que tu as là. Pour arriver à ce niveau, vous avez dû traverser des épreuves. Je crois que je commence à comprendre. Au fait, en ce moment, ma soeur est occupée à veiller sur l'autre mère, mais elle m'a quand même confié un message pour toi. Tu es la meilleure dresseuse de tout l'hiver, Holo. Bah, c'est modeste, c'est sympathique, c'est cordial. Je sais que c'est un peu niais, mais que veux-tu, c'est ma sœur. Et elle m'a aussi donné ça pour toi. Des rappels encore. Ah, des élixirs cette fois-ci. Ok. Ok. Si j'ai bien compris, Tilly n'a pas chômé non plus de son côté. C'est ennuyeux. Ouais. Ouais. J'ai fort à faire. Si tu Oui, merci Zekrom, bienvenue. Merci, bienvenue Zekrom, merci d'avoir cliqué sur le bouton suivre. Si vous êtes nouveau sur le chat, n'hésitez pas à faire comme Zekrom, à cliquer sur le bouton qui se trouve là-haut, ça me fera plaisir évidemment. Si vous kiffez le live, bien sûr. Chance pour la ligue. Ah oui, vous inquiétez pas, c'est géré, pas du tout. J'ai fort à faire, oui. Tilly et toi, vous me tapez souvent sur les nerfs, mais au fond, je vous aime bien. Tout ça pour dire que je suis avec vous. Bon courage pour la suite. Ouais, salut. Cette tête du perso. Ah non, mais toujours très content, hein. Toujours dans le smile, tu vois. J'espère vraiment pour la ligue. Ah, si pour la ligue, je dois refarmer un peu. Ça va être infernal. La mort du fun. Oh, ça va être la mort du fun. Si je dois me train un peu. Ça fait ça, hein. Moi j'invente rien, vous savez. Moi je ne fais que suivre ce que le jeu me demande de faire. Hop, du coup, pas besoin de farm. Bon, un petit peu quand même, hein. Je suis quand même au niveau 52. Hein. Ouais, 50-52, c'est pas beaucoup, hein. C'est vraiment pas beaucoup. En vrai, faudrait que je sois genre 55 partout, au moins. Bah oui. Non mais t'inquiète, t'inquiète Zekrom, c'est géré, t'inquiète.
En mode Zygarde en first, ce qui est une très mauvaise idée, parce que je risque de me taper pas mal de Pokémon à bleu. Glace, je vais réussir à parler. Je vous jure, je vais réussir à parler à un moment. À un moment, ça va le faire. 100%. Et donc, écoutez, à foi. Allons-y. Il y a un objet là quelque part, je crois. Pas du tout. C'est qui en premier? Zygarde, on devrait pouvoir fuir si on rencontre un Pokémon. Il est là. Ah voilà, c'était ça. Il semblait bien, il y avait un truc à récupérer, je ne sais plus ce que c'était. Ouais, go. De toute façon, on va utiliser un poussi. Non, mais en fait, ça va aller grave vite la fin de l'aventure en fait. Je me suis pas rendu compte qu'on était vraiment à la fin en fait déjà. Du coup, il va falloir que je prévoie mon prochain let's play. On en discutera ensemble, bien sûr. Super repousse, c'est où? Voilà, ouais, max repousse, bon, allez go. T'inquiète, XP hyper vite quand tu bats. Non, mais justement, c'est pour le conseil 4, les gars. C'est justement pour le conseil 4 que je veux monter de niveau. Bah après t'as pas intérêt, j'arrête le jeu après, on s'en fout. Le let's play s'arrête quand j'ai battu la ligue, les gars. Hein. Après, je continue pas le let's play. Hein. Comme les autres trucs, en fait. Y a pas d'intérêt. Une fois que le jeu est battu, le jeu est battu. Vous voyez? Ce que je veux dire. Ouais, laser glace, qui peut apprendre. Oh! Oh, ce guy! Oratoria, move pool tellement intéressant. Je pense qu'on va enlever Psycho. Parce que, bah, l'ombre, j'ai pas d'autres Pokémon qui ont des attaques spectre. Alors que Psycho, j'ai un stab psy déjà dans l'équipe. Je suis un play sur Zelda. Et non, calmez-vous. Calme et amoiteur. Je me rends plus compte là, comme ça, Kaizu, je t'avoue. Go! Au nord! Au north! A chaque fois, je crois que c'est des objets ce truc là. On va chercher la cryosélite qui se trouve juste là. Hop! Petite cryosélite. Merci. On fait le tour. Ça, on se dit que les développeurs n'ont pas fait ça pour rien. Voilà. Et on monte! Allez, une première fois pour entraîner mes Pokémon, mais j'ai réussi à la finir d'un coup, alors bon. Je devrais le faire. Ça rappelle tout et tout. Ouais, voilà, en fait, c'est soit je blinde d'objets, soit je traîne un peu. C'est ça le truc. Bon, entre les deux, y'a rien, je le sais. J'ai déjà fait 12 fois le tour de cette grotte. Pour la Solus, bien sûr. Et on va pouvoir avancer jusque là. On va faire le combat suivant. J'aimerais ne pas commencer la ligue ce soir, ceci, c'est que l'épisode va être très court. L'épisode va être très très court. Ça, c'est infernal. On verra. Non, en vrai, ça devrait aller. Je pense qu'il va faire une trentaine de minutes quand même. Nous continuons en avançant. Oh. C'est moi. Petite musique. Jadis, j'ai aussi fait le tour des îles, surmonté cette épreuve pour passer l'Oréa. Pendant mon expérience, le chemin fut long et ardu avant d'en arriver là. La cognière. Un esplay, ça doit d'être sous Silver Revenge. Mais calme-toi, terrible. Monsieur Farmore était contacté. On s'en fout. Très bien. Bonjour. Salut. Ouais, talentueux, comme moi. Go là-bas. C'est elle qui reprend des attaques, non? Anamnesia. Est-ce que... tu pourrais apprendre une attaque cool. Le pseudo du dernier de la Terre, je me souviens plus. Ah oui. Terrible. Je crois qu'il y a que cette tueur qui a besoin de réapprendre des attaques, je pense. Quelle capacité tu te souviens? Oui. Oui. Asdos, roue de feu, châtiment, fafala, os ombre. Oui, os ombre tous les jours. Trépignement, bout de feu. Je hausse ombre, au moins ça nous fait un stable spectre. Alors on va enlever casse-brique, je pense, parce qu'on a déjà un stable combat. Et la couverture combat sur Raichu également. Voilà, est-ce que j'ai encore une Nekaiker? Parce que si j'en ai encore une, je pense que je vais mettre bout de feu à la place de... qui se recharge. Je sais pas si j'en ai beaucoup encore. Ah, j'ai plus Nekaiker. Et plus des Kaikers, donc peut-être j'en farmerai une pour le prochain épisode.
Parce que là pour l'instant j'en ai plus. Je pense que sur certains Pokémon c'est trouvable facilement. Et pour l'instant je n'en ai plus. Alors on va acheter des objets, hein, n'est-ce pas? On possède 7, on en a acheté 15. Guérison, on a acheté genre 10. Plus 15. 20. Ça on est refait. On va acheter quelques hyper potions histoire de. Puis je pense en vrai on est bon. Hein. Total soin histoire d'être tranquille. Genre. Pour 10. En vrai on est large là. On est tellement large. C'est la base de notre stature. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bonsoir, je passe faire un coucou mais je reste pas. J'ai un oral blanc de français à préparer pour demain. Mais courage à toi, Bulzarbi. Merci de passer sur le live en tout cas. Et évidemment, bon courage. Révise bien, mec. Révise bien. Et t'inquiète, ça va le faire. Easy. En plus, c'est un blanc. Easy, en vrai. C'est trivial. Vous savez. Et good luck, mec. T'inquiète, ça va le faire. Bon, du coup, les écailleurs, si quelqu'un sait où. Alors, j'imagine que. Est-ce qu'on peut pêcher. On peut pêcher des love discs. Certainement sur les love discs. À coup sûr. J'ai un peu peur de me faire poutrer par Tilly, je vous avoue. Parce que je pense pas être à niveau en fait. Là, je farm un peu. Alors désolé pour YouTube, il va y avoir quelques. Un tout petit peu de délai là. Je vais regarder. Attention, mais le plan d'espiègle a fait lutte. Ah non, terrible. Ça c'est terrible. Terrible, terrible. Je vais juste voir à quel niveau sont ces Pokémon. Je me souviens plus du tout. Le petit Tilly. Il est où? Ça c'est bon, ça c'est bon. Donc c'est là-dedans. Je regarde ma propre Solus. Si un jour on m'avait dit tu regardes tes propres Solus pour faire tes let's play. Ah, j'aurais ri. Oh, j'aurais ri. Ouais, non, faudrait quand même que je gagne un peu de niveau. Hein. Donc, niveau 53, 53. Niveau 53, 53, 53, 54. Ok. Ok. Ouais. Ok. Bon. Je pense que c'est faisable. C'est faisable, y'a pas de raison. Et Kaker a m'allier restaurant. Ah, faut que je fasse un restaurant. C'est chiant. C'est chiant. Bon, du coup, Zygarde lead. Je vais me faire outspeed. Je pense tenir une attaque psy. Myria Flash devrait le terminer. Je pense. On va déjà terminer effectivement, on va faire ce combat là. Et je pense qu'ensuite de toute façon on coupera la VOD, la vidéo sera un peu plus courte que d'habitude. Et ensuite on verra ce qu'on fait pour les écailleurs et tout ça. Et de toute façon je vous. Si il y a eu des choses entre les épisodes, je vous préviendrai au début de l'épisode suivant pour YouTube bien sûr. Et on fera ça en live. Évidemment. Oh non attends Vous le savez. Vous savez comment il parle. Il s'est passé des trucs depuis la dernière fois qu'on s'est vu au Paradis des Terres. D'abord, j'ai fini toutes les épreuves qu'il manquait, et puis je suis rentré à Bélébélé pour m'entraîner avec Altéo. J'étais en route pour la Ligue Pokémon quand j'ai croisé Gladio qui m'a dit que t'étais déjà là en bas. Ni une ni deux, j'ai réajusté mon sort et j'ai couru comme un fou pour te rattraper. Tu peux avoir des gardes de 50%. Le 10% est mieux, je pense. Non, je sais pas trop. Je pense pas que j'ai déjà 50 cellules. Franchement, je pense pas, je checkerai. Franchement, je crois que c'est dû battre un record de vitesse. Ouais. Bref, j'ai voulu te rattraper pour une raison. Dans un combat, le gagnant aura le droit de défiler la ligue en premier. Tu vas voir ce que c'est, un Tilly qui se bat pour de vrai. Mon équipe et moi, on donne tout pour la victoire. Pas parti. 24 au calme. Mais oui, merci à tous. Et bienvenue évidemment si vous appréciez. Si vous appréciez le live, pardon, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton suivi qui se trouve là-haut, ça me fera extrêmement plaisir. Et ça me permettra bien sûr d'avancer et vous de me rejoindre. J'ai tous les réseaux sociaux qui sont en dessous du player, j'ai Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et j'ai même un Discord communautaire, donc n'hésitez pas les amis à me rejoindre. Je stream 6 jours par semaine, parfois 2 fois par jour. Donc faites-vous plaisir, hein. Écoutez votre cœur. Niveau 53. Alors, je pense que Raichu Mouthspeed, je ne sais plus quel BS en vitesse j'ai sur Zygarde. Donc on va ouais ok je pense tenir un psycho en vrai. Pas bien mais ouais hein. Mais en fait je vais peut-être pas tuer en vrai. Si ça tue, c'est une chips, c'est bon. On sent plus offensif, un peu moins d'attaque par contre il me semble. Plus offensif, moins d'attaque. Ouais du coup je sais pas, cette forme là est peut-être mieux. Il est plus rapide aussi, celui-là. Pour le coup. Et surtout en fait si je fais la forme 50% je vais perdre les niveaux que j'ai gagnés. Surtout. Je vais retomber au niveau 45 je crois. Deux doigts là, deux doigts là, deux doigts là, voilà. Là. Ayama. Et chips. Tellement.
Une équipe de titans, Gouroutan, Dratak, Ossature, Arcana, Oratoria, de Vatkoukou. Ah oui, quand même. Ah oui. La bonne grosse équipe, quoi. Persomail, pas de problème. Pas de problème, tu vas prendre ton petit bluff. Voilà. Très bien. Et ensuite, évidemment, tu vas prendre ton close combat. Tu vas retourner chez ta maman. Bien sûr. Voilà, petit close combat. Voilà. Ah, il meurt pas. Hein. Ah, si, il meurt, c'est bon. Dire quand même. Tout de même. Donc voilà, c'est fait. De l'histoire ancienne. Maintenant, il va m'envoyer, bien sûr. Interno. Oh, je suis tenté de rester. Oh, je vais tellement rester. J'aime pas la musique de Tilly. Moi non plus, j'aime pas trop. Je sais pas. Voilà. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que Tupsi vient de faire popper dans le chat, les amis. Ça vous permettra d'arriver sur un tweet que j'ai préprogrammé. Si vous le tweetez effectivement sur votre compte Twitter, vous pouvez changer là, le tweet si vous voulez. Ça vous permettra de me faire de la pub pour le live et peut-être de ramener des personnes supplémentaires. Et ça, c'est plutôt cool. Et en plus, c'est gratuit. N'hésitez pas. Ah, j'ai outspeed fait Inferno. Ok. Par contre, je le tue pas. Ça, c'est roule. Séisme. Bah, je suis à moins 2 en défense, donc je vais prendre très cher quand même, mais. Ouais, très très cher. Tu pourrais que c'était Inferno, Météno, Fou, Sardine et Kaiser, Sucré et Mimiki. Nice. Nice, nice, nice. Bah écoutez, maintenant. Arouzef en fait. Enfin. Son dernier Pokémon, ce sera. Ce sera qui? Voltali? Attendez, qu'est-ce que je dis? Son dernier Pokémon, ce sera. Oh, je me perds. Philali, ce sera Philali. Du coup, Ossature et pas. Moi, ça m'évite de switch. Ah ouais, non, mais j'ai pas d'attaque vraiment intéressante. On va vraiment faire ça. Le mode speed. Bon, de toute façon, en fait, je peux switcher entre les deux. Je suis tellement en mode Nuzlocke, je sais pas pourquoi. En mode, je vais pas pouvoir switcher les deux. Faut que je fasse un switch, je perds des dégâts, machin. Pas du tout, mais pas du tout. Genre, casse-brique et salut, quoi. Je fais même pas instable, je te respecte pas, Tilly. Baisse les yeux maintenant! Baisse les yeux! Oh! On t'a mis au niveau 54. Ouais, tu es au niveau 53. La tempête de sable. Tempête de grêle. Philali. C'était prévu. Du coup, j'ai le choix. Ça tueur ou Contamor. Les deux sont physiques. Donc, on va envoyer Contamor. Qui peut faire plus de dégâts. Super efficace. Puisque son attaque est plus puissante que l'autre. La basse power de l'attaque que je peux utiliser est plus puissante. Voilà, c'est ce que je veux dire. On va des tricanons, hein. On va tenter le diable. Je pense pas qu'il puisse nous faire grand chose de toute façon. Allez. Attaque a baissé, donc on va peut-être pas au KO parce qu'il y a une très grosse défense en face. Ouais, pas du tout. Empoisonnement ou pas? Empoisonnement, parfait. Voilà, ça plus le poison. Retourne bien, pleurer. Bien sûr. Bon, ça se passe plutôt bien en vrai. Hein. Direct toxique. Regarde touchant. Ouais, grosse strat hein, quand c'est ton dernier Pokémon, vraiment. Pas à dire, voilà. Ça, plus le poison, ouais, ça va le finir. Ça va le finir. Pour l'instant, je joue une team distorsion en vrai. Bonne team distorsion. Chasse Gobou, au secours, courage, courage, Zekrom. Courage. Persévérance, ça va finir par tomber. Vous inquiétez pas. Voilà, Tilly, c'est fini. Attends qu'on combat, meilleur temps potentiel. Peu importe de perdre ou de gagner. Ouais, c'est ça. Tu dis ça parce que t'as perdu. Ah, ça, c'est bien un message de loser. J'aime pas à ce niveau quand j'ai affronté Tilly. J'aurais bien voulu que mon équipe goûte au tout parfum de la victoire. Je suis déçu, mais c'est pas grave. Ça va juste décupler ma race de vaincre. Oh là, il faut que tu deviennes maître. Oublié. Tu m'entraînes, c'est pour te piquer le titre de maître, à toi et à personne d'autre. Tiens, pour t'encourager. Pour rappel Max, nice, on s'en servira. Content. C'est vraiment content que ce soit toi qui es emménagé à Lola Olo. Eh. Salut hein. Salut. Ah non. Ah ici, salut. Salut. Voilà. Donc, du coup, on va aller soigner nos Pokémon, les amis. Et donc, c'est ici que je vais vous laisser YouTube. Donc, ce sera un épisode relativement court. Hein. Je vous dis, je pense que là, on a 25 minutes, peut-être 30 minutes de gameplay, je pense. Mais pour la fois prochaine, voilà, au moins, on sera dans la ligue. On fera peut-être les deux premiers combats sur le premier épisode. Enfin, je verrai comment je m'arrange. Mais dans tous les cas, s'il y a un peu de farming à faire ou des objets à récupérer, j'essaierai de le faire avant. On va voir ça ensemble.
Et voilà, voilà, voilà. Donc, du coup, YouTube, désolé encore une fois pour cet épisode un peu court, mais je me vois pas continuer un peu plus loin. Sinon, voilà, on va être en plein milieu d'un truc, on va s'arrêter, ça va être un peu laid. Donc, voilà, si vous avez kiffé la vidéo, évidemment, YouTube, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à partager le contenu, à vous abonner à ma chaîne, évidemment, ça me fera plaisir, me permettra d'avancer. Si vous n'avez pas aimé, un pouce noir, m'expliquez-moi pourquoi en commentaire. Et dans tous les cas, on se retrouve à la prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous, YouTube. Salut, salut, salut les gars, salut!